Salam alaikum. Veuillez vous lever pour la levée des esprits. Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, Madame la Ministre de la Santé et de la Solidarité, Excellence, Monsieur le Représentant de l'OMS à une et des pouvoirs, Excellence, Monsieur le Délégué d'État de la Défense, mon colonel, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Monsieur le Secrétaire Général de la Santé, mon colonel, directeur de service santé militaire, officiers, sous-officiers, hommes du rang, chers collègues, soignants, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'immense honneur de vous adresser mon mot de bienvenue au Centre hospitalier de service de santé militaire. Votre présence parmi nous témoigne de l'importance que vous attachez à la promotion de la santé de notre population et en particulier de nos forces armées. Honorable assistant, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous accueillir dans les locaux du service de santé militaire pour la remise d'un nouveau don d'équipement et de matériel médical de l'OMS pour le Centre hospitalier de santé militaire. Ce don contribuera un appui à la prise en charge de nos patients qui ne cesse d'augmenter suite à l'élargissement de l'éventail de soins que propose notre centre. Aujourd'hui, nous proposons au-delà de la médecine générale, la maternité, les soins obstétricaux, la chirurgie gynécologique, les soins bucco-dentaires, la kinésithérapie, la prévention de la transmission du VIH-SIDA et le dépistage du COVID-19, pour ne pas citer que cela. Honorable assistance, permettez-moi de vous présenter le programme de cette matinée. Tout d'abord, la FATIA, ensuite, quelques versets du Coran. Nous allons ensuite suivre un mot du représentant de l'OMS. Ensuite, une allocution de la Madame la Ministre. Et enfin, une allocution de Monsieur le Délégué de l'État de la Défense. Enfin, à la liste officielle de l'équipement et du matériel médical. Nous demandons la FATIA par Monsieur le conseiller chargé des affaires islamiques ici présent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé pour son nom de l'Union. Et du là, il y a un chéteur de la maladie, ici, il y a un Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le chef d'état-major général de l'armée, national du développement des Comores, Excellence, Madame le ministre de la Santé, chers invités à vos rangs, grâce et qualité, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui fait partie des jours heureux, car nous accompagnons Madame la ministre de la Santé, Madame Yakout, sur un de ses nombreux chantiers qu'elle a ouvert depuis qu'elle est à la tête de ce département. Le chantier d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la contribution de l'Armée nationale de développement à la couverture santé universelle des Comores, ce qui est aussi un engagement du président, son Excellence Azali Assoumani, qui s'est engagé à travailler pour assurer l'appui de l'OMS, s'inscrit dans la mise en œuvre des actions de santé du plan de développement intérimaire du plan Comores émergent. Et ces actions, entre autres, je peux citer que l'OMS s'est engagé à appuyer, je peux citer entre autres, la révision des textes du Code de la santé,
l'élaboration et l'adoption des cadres organiques adoptés pour le ministère de la Santé, l'élaboration de la carte sanitaire et la révision de la carte sanitaire de Comores, pour ne citer que ces quelques chantiers ouverts par Madame la ministre de la Santé, qui bénéficient de l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé, qui aussi a eu ses fonds grâce à l'appui du gouvernement canadien, le ministère des Affaires étrangères du Canada, qui a mis à disposition ses fonds à l'OMS pour que l'OMS aussi, de son côté, continue à appuyer les Comores. Je voudrais au passage dire un grand merci au gouvernement canadien pour son appui à l'organisation de la Santé. Comme je le disais, je voudrais pour terminer remercier encore Monsieur le chef d'état-major général des armées pour sa présence. C'est une cérémonie assez modeste, assez sobre, mais sa présence donne un autre caractère à cette cérémonie. Je voudrais lui dire un grand merci. Je voudrais remercier Monsieur le conseiller Bellou, Monsieur le délégué à la Défense, pour sa présence. Et je voudrais assurer Madame la Ministre que l'OMS, son organisation, continuera d'être à ses côtés pour continuer les différents chantiers qu'elle a ouverts pour assurer la santé la meilleure aux Comoriens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, pour cela, merci. Excellence, Madame la Première Dame, Madame Azalian Badawesh, Messieurs les délégués auprès de la présidence chargée de la Défense en même temps consulteur de la lutte contre la COVID-19, Messieurs les chefs d'état-major des armées, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs les médecins, paramédicaux et agents de santé militaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un immense plaisir d'être avec vous à cette cérémonie officielle de remise des matériels et d'équipements au centre de santé militaire. Dois-je rappeler que depuis les travaux de reconstruction de l'hôpital El Marouf dans le cadre du renforcement du système de santé, le centre de santé militaire de Moroni joue un rôle important dans la prise en charge des malades de l'île de Brasilia et ceux venant des deux autres îles. Il est alors pour nous un devoir de soutenir et d'accompagner ce centre de santé qui répond parfaitement aux besoins de la population comorienne. Et j'ose espérer que c'est le début et que d'autres actions dans cet élan vont suivre. Permettez-moi de souligner solennellement que la première dame, Madame Azalian Badawesh, dont je salue sa présence à cette cérémonie, n'a cessé depuis très longtemps de solliciter un accompagnement du ministère de la Santé au centre de santé militaire. Cela entre dans ses activités humanitaires qu'elle mène dans son quotidien. L'engagement de la première dame pour le bien-être du Comorien en général, de l'enfant et de la femme en particulier, mérite notre gratitude et nous encourage encore à mieux faire. Discret, elle mène un combat louable pour la promotion de la femme et de l'enfant qui passe par une bonne santé. Madame, sois-en réussie. Mesdames et Messieurs, chers invités,
Cet important lot de matériel et d'équipements sanitaires est un don de l'OMS à travers l'appui du gouvernement canadien. D'une valeur de 69 477,08 $, soit 32 300 000. Ce don est composé principalement de des produits d'hygiène et de protection, des matériels de gynécologie obstétrique, panneaux solaires avec ses accessoires, un kit de vidéoconférence avec ses accessoires, des lits d'hospitalisation. Ce kit de vidéoconférence, qui est une première dans notre structure sanitaire, permettra aux professionnels de santé de ce centre de communiquer, d'échanger, de discuter avec nos collègues nationaux et internationaux. Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, son Excellence Kadima Hassan Yassmane, a pris l'engagement de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2020 et dont la santé est un maillon fort de cette politique. C'est pourquoi le ministère de la Santé, dont j'ai la lourde responsabilité, ne ménage aucun effort pour assurer l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé et le renforcement de notre système de santé, un fort gage d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations. Messieurs les délégués chargés de la Défense, Madame la Première Dame, Monsieur le Chef d'État-Major, Mesdames, Messieurs, chers invités, à travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir des agents dynamiques qui se distinguent par le professionnalisme, le amour du travail et qui font chaque jour preuve d'un savoir-faire qui honore notre pays. Mesdames, Messieurs, Messieurs les médecins et tous les agents du Centre de santé militaire, permettez-moi de vous manifester mon admiration et vous encourage à continuer dans cette voie. Par le travail magnifique que vous accomplissez, de l'accueil des malades à la qualité des soins que vous prodiguez, vous méritez notre attention, notre soutien et notre accompagnement. Connaissant votre valeur morale, je reste persuadé que vous saurez faire bon usage de ces équipements et je suis convaincu de la plus-value que ce matériel apportera dans l'amélioration de la qualité de l'offre des soins. Mesdames, Messieurs, chers invités, mes remerciements profonds vont au gouvernement canadien, à l'Organisation mondiale de la santé et à Monsieur le représentant de l'OMS ici au Comores, Dr. Abdoulaye Diarra, qui nous apporte un soutien indéfectible et des conseils précieux. J'adresse mes vifs remerciements à toute la hiérarchie militaire, au premier rang, Monsieur le délégué chargé de la Défense, consultant de la COVID-19, mon frère et ami, Monsieur Youssoufa Mohamed alias Bédou, Monsieur le chef d'état-major, le colonel Issoud Diadi, le médecin colonel, Dr. Nafal et tout le personnel de ce centre de santé militaire pour cet accueil chaleureux et la parfaite organisation de cette cérémonie. Je ne saurais finir sans vous inviter, chacun de nous, à ne ménager aucun effort pour consolider la paix, la cohésion sociale, afin de maintenir ensemble le cap vers l'émergence sous le leadership de ce Imam Hassan Yassmane, président de la République de l'Union des Comores. Vive l'Union des Comores, vive la coopération multilatérale, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Après l'allocution de ce délégué de la Défense, nous allons sur une visite guidée au profit de nos invités. Il va commencer par la présentation des médecins de l'hôpital. À présent, le ministre délégué de la Défense. Thank you.
D'abord, Madame la Ministre, je pense que la présence de la Première Dame ici, c'est une fille du Caser. C'est une fille du Caser. Elle est élevée à la caserne de Kandali et à la caserne de Mamoudzou. Son père était un ancien gendarme. Donc c'est un peu aujourd'hui, elle rend César ce qui appartient à César. Donc c'est pas un droit, elle ne peut que rendre la monnaie à l'Armée nationale de développement. Merci. Excellence, Madame la Première Dame, Madame la Ministre de la Santé, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le chef d'état-major de l'AND, Monsieur le chef de corps, Madame et Monsieur les officiers de l'AND, Mesdames et Messieurs, mon grand et qualité, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un réel plaisir de me trouver parmi vous aujourd'hui pour la remise d'un don de matériel médical de l'OMS destiné au service de santé militaire par le biais du ministère de la Santé. Permettez-moi de présenter mes sincères remerciements aux représentants de l'OMS pour avoir bien voulu remettre ces matériels au service de santé militaire. Nous sommes reconnaissants et nous savons qu'on peut compter cette organisation mondiale un des partenaires clés pour le développement de tout le monde. Mes remerciements s'adressent aussi à Madame la Ministre de la Santé et au gouvernement comorien, sous la conduite éclairée de Son Excellence Azali Assoumani, pour l'appui constant et surtout au niveau de la santé militaire. Pour moi, ce don n'est pas une surprise, c'est une suite logique des actions et des activités des services de santé militaire, et surtout de la contribution et le rôle qu'ils jouent en matière de santé publique de façon générale. En effet, ce service enregistre 60 000 consultations par an, dont 40 000 sont des civils, et compte à peu près 30 accouchements par mois, dont 50% civils depuis l'ouverture de la maternité il y a 5 ans, et je reviens sans décès. Il déploie des médecins spécialistes dans les hôpitaux publics. On peut noter notamment Dr Naïladi Afumouni et Dr Jean-Philippe Kamisamioui, à qui je les rends un plus grand hommage pour l'excellent travail réalisé. Je n'oublierai pas l'inoxydable médecin colonel Naoufali pour sa détermination et son courage à faire rayonner la santé militaire. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion en présence du ministre de la Santé et du représentant de l'OMS pour lancer un appel et à demander une réelle assistance et un accompagnement constant à la montée en puissance du service de santé militaire et souhaiter et au souhait de diversifier les spécialités au sein du corps de l'armée nationale. Au sein du corps de l'armée nationale, comme vous le savez, contribue pleinement à la santé de la population comorienne. C'est dans son pic que l'AMD, à travers les santé militaires, œuvre pour développer le laboratoire médical, équiper les centres d'imagerie qui sont en cours de construction, former les personnels pour l'entretien du matériel, augmenter les capacités du stockage de la pharmacie et diversifier les produits, augmenter la capacité d'hospitalisation et faire respecter les mesures barrières de lutte contre la COVID. Ainsi, nous comptons sur vous, Monsieur le représentant et Madame la Ministre, pour nous accompagner afin d'acquérir les compétences nécessaires pour faire face à ces projets et répondre aux besoins de la population. Notre espoir repose sur le gouvernement comorien pour être au rendez-vous de 2030 pour l'émergence effective des Comores. Je ne pouvais pas terminer mon propos sans rendre un hommage mérité à Son Excellence le Président Azali Assoumani,
chef suprême des armées, qui s'est engagé personnellement à soutenir l'épanouissement et la modernisation de nos forces de sécurité et de défense. Mais ma reconnaissance va aussi au colonel Oussoufi Diad, chef d'état-major de la MNE, pour sa volonté et sa détermination à reconstruire une armée respectueuse des valeurs républicaines, proche de la population et en contribuant au développement socio-économique de notre pays. Vive l'armée nationale de développement, vive la coopération internationale, vive l'Union de Comores. Je vous remercie. Ani Matukufu, Wajamali, Mamadou Yavan, Assalamu alaikum. Smabiani Kana, Alhamdulillah, Wanun Zate, Wahidda, Wulayurand, Notilo Kana, Asbabuka, et les premières dames. Chaoui Mana, Wahidi Desh, Yadeli Shiatani Desh, Joli Desh, Ujuli Desh, Nifanyao, Abouye Kapitano Kana Shubudi Deinu, Yatika Kabanu, Nasigani Beshe de Malaba, Gari Mambiao, Yakobi Yonihatu, Yaribiye, Bangoumou Taïbia, Zéans Mambim, Mouera Israël du monde, Yatao Yazikia Mensino, Mungou Yamboule, Madamana Mema, et il va suivre l'armée d'émergence de 2030. Et Aribi, il fera un l'ONU, ou à Katragabano, en 2016, basé sur les statistiques de sa consultation, nous avons jusqu'à 6000 consultations par an. Passé en 2021, on a 2022, il va suivre 60 000. Il va mourir, ou va mourir, on a tapé pour vous. Et maintenant, le motima, c'est la discipline et l'organisation. C'est la discipline et l'organisation. Le demande. Et maintenant, le monde, ma tante, on a ma infirmière, ma sage-femme, ma paramédico, on a amour de l'inhas. Et à midi, le Ghana est échographique à l'Ifagnon, et sa femme pour les Ifagnon, chaque année, il a dit qu'il y a un portable à une application pour les gens qui sont en train de. Ça, c'est la modernisation. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Et à Bili, nous avons fait le Ghana. Et à la rue, nous avons fait le Ghana de cette manière. Autour de l'infirmier, de ma sage-femme, on regarde, on va lui demander à ma bénin, on va lui demander ici ma famille. Avant de lui attirer ça, au Ghana, à mon maha, Mitsahani, il tâche de couvrir les gens qui parlent avant, et ma carrière a dit à moi, c'est la femme. Nous lui attirer ça, la voie est maternité. Nous lui attirer ça, la famille est même dans la stomato, et nous d'attester. Nous avons trouvé ça, et nous avons chambre pour nous habiller. Nous avons trouvé ça, Rawaha, et l'hôpital, Kandani, Tinti. Nous avons trouvé ça, Rawé, dispensaire, et nous avons trouvé ça, Léo, Rawaha, et depuis la pharmacie. Nous avons trouvé ça, Rawa, celui de l'armée de Raja, Rafania et l'imagerie. Ou à Koumou, lorsque nous avons trouvé ça, nous avons Kavanura au mois d'octobre, un commandant du conseil de l'Ontario, vous trouvez à l'Ontario. Et imaginez, il y a tous les deux mois, au mois d'octobre, ces travaux à Zifanyambo. La boucle à l'Ascanier, la boucle à la radio spéciale, la tisoka les orgueils, ils ont huiso, chaque ardon qui réunit les familles à telle médecine, ils ont toujours pas mal dans l'Ontario au Faranta, ou à famille de Kiri, ou à l'échelle. Limiter mon bruit et réponse. L'amour, on est en train de faire.
Ils avaient dit j'aime de confirmer. Et même la réalisation est le corps est radio, il remet la radiographie sur le fond de lui. Il l'a mis en roule, il l'a béni, il l'a ciment, il l'a domoni, il l'a machiwa, la tour est liée à la région internet. Mais ça vous, on a un bon goût, on doit aller voir où là, il y a les péchés, les fichiers, et on est dans la vie, 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 on est dans la vie. Alors, bonjour à vous. Préparez-vous des guerres et va prier Mahala et nous tournons à ses compétences. Il y a des combats de la médecine. On a dit qu'il y a des bains, au cas où il y a des bains, et ça a l'air de s'aller sur Houlou. Il y a suivi par le Mawani, à Ouan, à Toutonou. Au Katibouro, et le Mawani, vous mettez dans mon registre, c'est Chanel de Bouda. Rangadi, il y a un peu de faille en Hassi, il y a un peu de copier le faille. Je vais vous dire que Rakesh, elle a un commode comme ça, ses prestations, il y a ce monde au Mahalaya. Avant que Mimi n'a joué au Canaan, si tu vois ça, il y a, va nous faire le cinéma dans la suivante, ou la suivante, il y a un bon l'éclairage, il y a chef de l'État, Azali, la suivante. Au Canaan, il y a un bataille, non seulement les frères d'armes, Bahemzade et Wambakana nous disons alors et Tamilité. Avant les Égyptiens, nous roulons les Rivières, nous roulons les Suivres, nous roulons les Gazes pour César et le Bahamas pour la Chine de la Roche. Et à Bibi, et Bibi Nadao, c'est la position, la cohésion au sein de l'armée. Voici une armée républicaine et Asia et armée, la WND, AND, développement. Non seulement quand il faut y avoir, c'est mon beau, ça n'a pas de vie. À force de ne pas qu'à ici, et le minage des échis, la sainte siate, chaque année, il va mettre le bénin, ni faire les chèques, et à une des erreurs, ni moi, il faut y avoir le Covid. Il va y aller ici, il faut y avoir un droit de masque, il faut y vacciner un droit, il ne va pas le faire. Loin, il m'a droit à un moment. Il faut utiliser une petite dictature éclairée. Une dictature éclairée, après avoir quitté qui soit zéro, et les gars de Zifana, car la vie est si à tout, dit Yamani à tout, car la vie est une nation, il n'y a aucun arrêté vert. Mais qui a moins de Tikoun, exagéré et Covid, Hanamna Lazi. La Chine a dit ça, quand on a fait ça, Unité armée à tout, il faut nous même, Rambio à Komori, Kaina, Sisi à Zahatu, si vous avez la type Chandaza, Chandaï, Beriliaoni, et Amani à Enti, Kaye, Indie Mandeleo, et à Enti, la famille, Aoge, le Moudouzan, Kazimura Faina, Isolitao et Faye, Zimoukali Zifanyao, Ere Distogema, la Ali Namazali, ou Amori Zifany, Aoge, le organisme. Amalo MS, Amalo UNICEF, nous avons gagné au Mahalani Kazenobo, nous avons gagné au Mahalani Kazenobo, nous avons géré au Mahalani Kazenobo, nous avons géré au Mahalani Kazenobo, à la fois nous avons dit que Bangako Fahine Hazi, nous avons gagné au Kalezi Mourani Kwasosinu, la Dossi Hafavi, les humiliés par la Yawakomori, nous avons gagné au Mahalani Kazenobo.
parce que nous avons déjà demandé la pétale, il va vous voir nous, à Salam alaykoum, au revoir, au revoir. Avant la visite guidée, nous allons inviter Madame la ministre, et avec son secrétaire général, on va inviter aussi le délégué de la défense et le chef d'état-major pour bien recevoir ce don. Et puis, Madame Dampus et Monsieur le Président de l'OMS pour participer à l'analyse du don. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre une visite guidée au profit des invités de cette cérémonie pour voir les installations et l'hôpital. Al-Fatiha. سهلنا أمورنا اللهم نجمع نحاب اللهم وفق رئيسنا وفق دولتنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors, prenons une visite guidée. Je vous amène. Bon, une déco, voilà, il est trop bien. Voilà, il est bien. C'est l'avantage quand on est là. La bonne gagne la couille à Baba. Ah, j'ai vu, 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 j'ai vu
En tout cas, nous ne sommes pas tous allumés, on doit allumer. Même si on veut d'autres trucs, on va aller allumer. On va aller allumer ce truc. Gracias.